Yo les potes, c'est Sup. Attendez, qu'est-ce que je fous sur Fortnite? Ah là c'est mieux. Rebonjour les potes, aujourd'hui vidéo sur le meilleur jeu mobile du monde, du coup Clash of Clans. Ça fait plus de 10 ans que je joue, du coup les gars, quand j'ai commencé Clash of Clans, vous étiez même pas nés. Comme vous le voyez, je suis HDV11 full maxé. Quand je clique sur l'ouvrier en haut, ça marque ma dernière amélioration, c'est mon hôtel de ville. Du coup ce qui est cool, c'est qu'on va faire plein de choses aujourd'hui sur Clash of Clans. On va améliorer mon HDV11 max, du coup on va être HDV12. Je vais créer les gars le clan Team Sup, du coup tous mes abonnés qui ont plus de 1000 trophées pourront rejoindre mon clan. Bien sûr les mecs, soyez actifs, sinon vous allez être virés du clan. Parce que moi les gars, je suis super actif sur Clash of Clans. Aussi, je vais faire une attaque de malade en Ligue Titan, car vous pouvez voir en haut à gauche que je suis Titan. Mais allez, sans plus tarder, je vais améliorer ce magnifique HDV les gars, enfin. Et là vous allez me dire dans les commentaires, ouais mais Sup, pourquoi t'es que HDV 11 en 10 ans de jeu? Sachez les gars qu'à chaque fois les gars, je sais pas pourquoi, je fais les mecs des énormes pauses. Je commence Clash of Clans pendant 2 ans, j'arrête pendant 3 ans, je reprends un an, j'arrête 4 ans, etc. Mais là les mecs, ça fait 3 mois que j'ai repris Clash of Clans. Je m'arrête plus les gars, et il n'y aura plus une pause. Et le clan Team Sup qu'on va créer juste après sera super méga actif. Allez c'est parti les potes, je vais améliorer mon HDV les gars au niveau 12. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ça fait des mecs plus d'une semaine que j'attendrai que cette vidéo. Hop là, 6 millions. Et on va directement utiliser un marteau. Let's go les gars, on est HDV 12, je suis trop content. Regardez comment il est magnifique cet HDV12. Mais maintenant les mecs, la question c'est qu'est-ce qu'on va améliorer en premier? Parce que les gars, j'ai 5 ouvriers comme vous le voyez. J'ai 25 millions d'or et 15 millions d'élixirs et 400 000 d'élixirs noirs. Non mais les mecs, Sup il est beaucoup trop riche sur Clash of Clans. Ça va pas du tout. Je pense qu'au début je vais placer l'atelier. Et regardez ce qu'il me propose à gauche. Ils ont cru que Sup c'était un pigeon et qu'il allait carrément dépenser 24 euros pour de l'or, de l'élixir, un atelier et une tour de l'enfer. Mais moi les gars, je paye pas sur Clash of Clans. Du coup c'est parti. Je mets juste mon atelier. Et où je vais le placer? Parce que j'avoue que mon village, les gars, il n'y a plus beaucoup de place hein. J'ai dû libérer une place et je vais le placer ici. C'est parti. Et du coup les gars, mon atelier, je l'aurai dans 4 jours et 5 heures. Vous savez que les gars, en vrai, les délais sur Clash of Clans maintenant en 2023, ils sont beaucoup plus rapides les mecs qu'à l'époque hein. À l'époque les gars, t'améliorais ton HDV au niveau 9, t'en avais les gars pour 2 mois. Je rigole pas, c'est une dinguerie. Ma deuxième amélioration les gars, c'est le laboratoire. C'est trop important pour améliorer les troupes. C'est parti les gars, je l'améliore. Il me reste encore du coup là 3 choses à améliorer et qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aussi les mecs améliorer le château de clan. Mais j'ai plus assez d'élixir. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution à tout. Comme j'étais vraiment les gars full élixir pendant une semaine, hop là, je récupère l'élixir de mes extracteurs. Et dans les mecs, le petit pass de combat. Parce que oui les gars, Clash of Clans, ils ont copié Fortnite, ils ont fait un pass de combat. Après je vous avoue les gars, de temps en temps je l'achète parce que vraiment il est trop bénef. Et là du coup il y a 1 million d'élixir gratuit. Et maintenant c'est parti pour ma troisième amélioration. Le château de clan, 9 jours et 18 heures quoi? Oh les gars, je vais pleurer. Je pense que quand mon château de clan sera fini d'être amélioré, j'aurai déjà les 100 000 abonnés sur la chaîne Sup. Et si c'est pas encore fait les mecs, abonnez-vous. Allez hop là, on l'améliore. Il me reste 2 ouvriers, j'ai déjà une petite idée. Regardez les gars, dans mon HDV j'ai plein d'objets magiques. J'ai un livre des héros. Du coup comme là je suis beaucoup trop riche en élixir noir, hop là je vais sur ma reine. Je l'améliore au niveau 51. Et hop là je mets un livre, voilà. Du coup les mecs, l'amélioration est instantanément terminée avec le livre. C'est vraiment beaucoup trop cheaté. Sinon les gars, j'ai quoi d'autre? J'ai un livre de combat, il sert à quoi ça? Ah ça ok les gars, c'est quand mon laboratoire il sera fini d'être amélioré, je pourrais améliorer les gars d'un coup une troupe sans durée. Ça c'est vraiment parfait. Je pense qu'avec mes 2 autres ouvriers les gars, je vais directement placer ma dernière tour de l'enfer, du coup ma troisième comme je suis à HDV12. Hop là je le mets n'importe où. Vous inquiétez pas les mecs, après je vais réorganiser le village. Et ensuite hop là je vais placer ma petite Tesla. Hop là. Et regardez ce que j'ai en bas. Accélérer vos ouvriers avec un livre les gars d'ouvriers. Du coup les gars, pendant une heure mes ouvriers travaillent 10 fois plus rapidement. C'est parti, j'utilise ça. Ça c'est vraiment trop fort sur Clash of Clans. Comme on peut le voir du coup, mes petites cabanes d'ouvriers, elles sont en mode accélération maximale. Par contre les gars, je viens de me rendre compte d'un truc vraiment très bête. J'ai dépensé vraiment 0 or. J'ai usé toute mon élixir mais mon or, pourquoi je l'ai gardé? Bref c'est pas grave, là pour le moment mes 5 ouvriers ils sont en full construction, amélioration. En attendant je vais créer maintenant les mecs la Team Sup. Hop là, créer un clan. Nom du clan, Team Sup. J'espère vraiment qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent ma vidéo Clash of Clans et qui vont rejoindre mon clan. Ça me ferait vraiment beaucoup trop plaisir. On va laisser ouvert à tous. Fréquence de guerre, je vous avoue les gars, j'ai envie de faire des guerres H24. Du coup on va mettre toujours. Nombre de trophées minimum les mecs, je vais mettre 1000 trophées parce que les gars j'ai peur qu'il y ait des abonnés qui rejoignent mon clan mais qui soient pas du tout actifs. Du coup les mecs, si vous avez pas encore 1000 trophées, c'est juste très simple, faites quelques attaques et vous aurez 1000 trophées et vous pourrez rejoindre mon clan. Voilà c'est bon. Niveau de l'hôtel de ville minimum, ça on s'en fout du coup les gars. Si vous êtes HDV1 avec 1000 trophées vous pouvez rejoindre mon clan, mais je pense que c'est carrément impossible d'être HDV1 quand on a ce nombre de trophées. Origine du clan, alors je pense que je vais mettre Afghanistan.
Tristan. Non les gars, désolé, je pense que je me suis trompé, ça c'est mes origines, mais ça faut pas le dire. Alors, en bas là. Français, let's go. Langue du chat, français les gars, on habite en France, on est français, hop là, voilà, français belge, tu connais. Il y a journal de guerre publique, ok, guerre amicale, et il y a clan en mode familial. En vrai les gars, vous êtes comme ma famille, hop là, clan en mode familial validé. On va changer les cuissons, vous savez les gars, le logo sup, c'est la couleur jaune, du coup on va mettre directement la couleur jaune. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc un peu pas mal. Je regarde un peu les gars ce qu'il y a comme choix, parce que vous savez que sup il a des beaux goûts, mais voilà, faut chercher souvent. Ça en vrai les gars, j'aime beaucoup ces full jaunes, mais on va voir ce qu'il y a après. Les mecs, je viens de trouver ce qu'on va mettre comme écuisson de notre clan Clash of Clans. Alors, il était où? Hop là, hop là, hop là, hop là. J'hésite en vrai entre ça, c'est beaucoup trop stylé, et la flamme. Dites-moi dans les commentaires les gars, vous préférez quoi comme écuisson? Et je le changerai les gars si vous aimez pas celui qu'on va mettre maintenant. Je pense qu'en vrai celui qu'on va mettre maintenant les gars, c'est l'éclair, il est beaucoup trop stylé. Hop là, sauvegarder. Description: seuls ceux qui sont abonnés à sup peuvent rejoindre le clan. Maintenant les potes, avant de finaliser la création du clan, je dois choisir trois mots clés. Alors, on va mettre quoi? Guerre de clan, parce que vraiment les gars, j'adore les guerres de clan. Vous savez que sup c'est pas qu'un joueur pro sur Fortnite, mais aussi sur Clash of Clans. On va mettre aussi amical, parce que voilà, vous savez, les abonnés c'est comme mes amis. Et pour finir, je vais mettre compétitif, parce que moi et les abonnés qui vont rejoindre ce clan, j'ai envie vraiment qu'on devienne les rois des joueurs pro sur Clash of Clans. Allez, c'est parti les gars, ça fait vraiment mal aux fesses, mais on paye le clan. 40 000 d'or, let's go! Créer! C'est bon les potes, le clan est créé, dépêchez-vous de le rejoindre. 1000 trophées pour rejoindre, ouvert à tous. Et le nom c'est Team Sup. Allez les gars, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-le. Comme on a enfin fini maintenant la création de notre clan, c'est parti, on va aller faire une petite attaque en League Legends. Oh là là, j'ai beaucoup trop hâte. Après, je vous avoue les gars, la compo que vous voyez en bas, c'est pas du tout la meilleure compo les gars de l'HDV11. Parce que voilà les gars, rappelez-vous, oui, il y a 20 minutes, j'étais HDV11. Si on fait les mecs 2 étoiles sur un HDV12, c'est parfait. Parce que les mecs, je suis tellement haut les gars en League sur Clash of Clans que je ne tombe que sur des HDV13 comme vous voyez les gars devant moi, ou que sur des HDV12. Mais vraiment les gars, en League et Titan, il n'y a presque aucun HDV11. Mais voilà, vous le savez les gars, comme sup c'est un joueur pro, bah voilà les gars, carrément il était en HDV11 en League Titan. Regardez carrément les mecs en League Titan, il y a des HDV14, c'est n'importe quoi. Lui les mecs, il a 1 million d'élixirs, ça me plaît beaucoup, je pense qu'on va peut-être l'attaquer. J'hésite un peu, en vrai j'ai mes 3-0, ouais, ah, qu'est-ce que je vais faire? En vrai non les gars, ces villages je les reconnais, c'est des villages trolls, hop là, next. Oh là là les mecs, regardez celui-là, ces réservoirs d'élixirs ils sont full, et ces réservoirs d'or pareil. Les mecs, en vrai je viens d'avoir une idée, venez on teste notre première attaque de notre vie sur un HDV13 full maxé. 3, 2, 1, go les mecs, on va commencer maintenant. Et en vrai les mecs, comme maintenant je viens de passer HDV12, je dois farmer du coup, gagner chaque jour plein d'or, plein d'élixirs, etc. Du coup je pense qu'après je vais redescendre en trophée. Bref, j'arrête de parler, on va mettre les gars directement un électrodragon ici. Mais en vrai je viens de réaliser, je vais pas mettre les mecs un électrodragon où il y a des réserves d'or, parce que regardez, j'ai 24 millions d'or, je ne peux pas en stocker plus. Du coup bah c'est parti les gars, on va faire les gars une petite ligne d'électrodragon comme ça, on va mettre les mecs les ballons comme ça. Je pense que les gars, je vais même pas faire une étoile, même pas 50%, hein. On peut pas attaquer les mecs un HDV comme ça 13 quand on vient de passer HDV 12. Regardez les gars, je me fais éclater, c'est totalement normal, hein. Le roi les gars, je vais le mettre au dessus, ok. Je pense que les mecs, je peux quand même réussir à faire 50%, hein. Oh non les gars, je suis à 40%, ça va être très très chaud. 45%. Non. Non. Et non les potes, à 5% près, je faisais une étoile sur un HDV13 maxé. Au moins les gars, on a réussi l'objectif. Regardez, on a pris 1 million d'élixirs. Let's go. Je pense qu'en vrai maintenant les mecs, on a à peu près tout fait. J'espère que cette première vidéo sur le meilleur jeu mobile du monde, Clash of Clans, vous l'avez vraiment kiffé. N'oubliez pas les gars, tous les gens qui jouent à Clash of Clans, qui veulent rejouer grâce à moi, rejoignez les mecs, la team sup. Moi je vous dis à la prochaine, et objectif de 2000 likes si vous voulez les gars, des nouvelles vidéos sur la chaîne sup sur Clash of Clans. Allez, ciao les potes!